Salut à tous, on se retrouve pour la suite de The Link's Awakening, j'allais dire. N'importe quoi. The Magnificat. Cap. Pourquoi ce que j'ai avec Link's Awakening? Chaque fois j'ai envie de dire ça. Donc dans un endroit assez lugubre, la vallée des rois. Il faut savoir que j'ai farmé en dehors de la vidéo pour dépenser mes coquillages et mes... Ouais, j'ai plus de coquillages. Hein. Et mes rubis un peu. Et je vais fermer tout ça de... comment ça s'appelle? Fragment du bonheur. Alors faites super gaffe aux fantômes parce qu'ils peuvent vous lécher. Il y a des corbeaux aussi qui sont un peu chiants. Voilà, donc là, ça sert à de venir là. Continuez à aller en haut. Voilà, ici on voit absolument plus rien. Donc il faut prendre la lanterne, bien sûr. Et on va devoir énigme classique des Zelda. Hein. Surtout sur 2D. Suivre les panneaux. Donc haut. Alors faut pas juste retenir le truc, faut retenir ceux d'avant aussi. Donc là faut retenir haut gauche. Ah, voilà ce que ça fait. Non, gauche. Oh, gauche, gauche. Oh, merde. Donc, haut. Oh, gauche, gauche, haut. Oh. Oh, gauche, gauche. Au droite. Ah donc encore haut du coup. Voilà, on se retrouve là. On se retrouve là dans le... Je vais dire dans le cimetière mais c'est pas encore le cimetière. Il faut aller tout en haut à droite il me semble. Je brûle pas assez dans, dans Zelda. J'ai pas l'habitude qu'on puisse taper autant. Voilà, et on se retrouve ici. Chez le Fossoyeur. Voilà, il n'y a pas de fragments, d'assemblage de fragments avec lui. On se fait bosser. C'est le gang de corbeaux. Et la clé est là. Donc, du coup. Quel connard. Bon, là j'ai fait le boulet là, je l'avoue. Ouais, parce qu'apparemment on sait pas l'ouvrir nous-mêmes. Je sais pas si vous vous rappelez, lui son jeu c'est trop de la merde, c'est... Il y a deux coffres, on ouvre ce que vous voulez. Et lui-même dit que c'est trop nul. C'est comique. Alors là, je me rappelle qu'il y a un des... Mais... Ah bah oui, forcément. Je fais plus d'épée. Quel con. Bon, je sais qu'il y en a un à pousser. Ouais, il y en a deux à pousser, mais... Voilà. Celui-là ça compte pas.
que là c'est pour avancer dans le jeu. Ça doit être celui-là alors. Yes. Voilà. Ok, et après on doit prendre simplement le chemin. Vous avez compris, hein. Avec les clones. Bon, désolé si je suis pas très. J'ai l'air pas très motivé. C'est pas que je suis pas motivé, mais c'est que je suis éclaté en fait. Ça passe. Voilà, on arrive au tombeau des rois. C'est pas un donjon, hein. Enfin, c'est pas là qu'il y a l'élément en tout cas. Ah, ils font super mal, hein. Conseil, tuez-les avec la torche. Je l'ai pas fait, mais. Si vous faites ça, ça les crame. Après, vous pouvez même, pour pousser le vice, aspirer le crâne. Pomme. Ah, il y a des fausses portes. Alors là, ça, vous allez voir, c'est un petit peu chiant. Le mieux c'est d'attendre qu'il passe. Ok, quoi. Je vais plutôt me mettre à gauche. Ok. Pardon. Je vais essayer de pas m'énerver. Je joue mal, hein. Je suis éclaté, mais bon. Sinon, j'ai pas le temps de faire la vidéo. Pas trop de choix. Mais non, mais. Putain, en plus, c'est pas dur, hein. C'est ça le pire. Bon, allez, on y va en bourrin. Voilà. Puis on a une autre à gauche. Merde. Putain, c'est ridicule comment je me loupe en plus à chaque fois. Je peux sortir pas là, hein, pas la peine de faire le truc. Voilà. J'ai perdu beaucoup de vie. Putain, j'arrive pas à le cramer. Touché par la boule. On joue mal, hein. Putain, faut vraiment que j'aille dormir. Alors. Ça y est, on y est. Bon, regardez s'il n'y a pas des. Des cœurs. Thank you.
Et voilà. Donc la source des eaux, c'est en fait... Vous allez voir de toute façon. Je crois qu'il y avait un truc, ça en allait tout le temps à gauche. Si je me trompe pas. Hein. Ah, il me semblait pourtant. Non? Bon, voilà. Je vais arriver alors. Du coup. Ça voulait beaucoup de fragments d'ailleurs, hein. C'est comme ça que je les ai farmés. Il faut aller dans les champs là en bas des rues et creuser dedans avec les griffes. Et à chaque fois vous avez au moins un fragment, donc vous quittez l'écran, vous revenez, vous commencez. Enfin, choix de temps. Là voilà la source des eaux. On est là, hein, pas info. Cascade de Serra. Putain. Ça y est, ça commence. Bon, vous en faites pas, c'est pas si dur. Hein. C'est juste que j'ai vraiment les yeux qui se ferment tout seul. Hein. Ouais, bon, tant pis. Ah merde, ça reste ce truc. Comment les tuer déjà? Enfin, dégage! Ah. Je sais plus trop comment les tuer. Ah merde, j'ai encore le. Ouais. Donc on attaque Brise Rock, ça suffit du coup. Du coup. Ah, il y avait en bas là. J'suis jamais allé, je crois. Merde! Allez, dégage! J'y suis jamais allé. Ouais, là c'est bon. Et là je peux pas y aller. Donc, bah, on continue tout droit là. Alors là, il y aura plein de chemins pour aller au même endroit si je me trompe pas. Voilà, c'est le nouveau symbole du vent. Donc on peut maintenant se téléporter ici. Je préfère tout casser au cas où, hein. Ne m'en voulez pas. On va d'abord aller dans l'eau. Y'a rien. Alors on va aller en bas. Alors pour info, hein, si on va là... Voilà, il y a deux entrées en fait. Mais ça va, les deux vont au même endroit. Tout était calculé, bien évidemment. Alors j'ai vidé tous mes coquillages pour avoir les statuettes, bah déjà parce que c'est chiant de vous montrer en vidéo chaque statuette que je prends là. Et aussi bah, c'est parce qu'on va avoir pas mal de coquillages et je voulais pas être à fond. Voilà.
Je sais plus où faut aller. Ouais, ça va aussi ici. Et en bas, ça va où déjà? En bas, c'est là d'où on vient, non? Ouais. Ouais, en fait, il y a trois entrées pour les mêmes endroits. C'est un peu bizarre, mais. Voilà, et on arrive là. Source Serra. Alors au-dessus de nous là, enfin ce qu'on vient de passer c'était Bigoron, hein. On l'a reconnu je pense. On est donc chez les éoliens. On va devoir assembler des fragments, pas ceux-là, hein. Ça c'est juste des fragments comme d'hab. Des fragments dorés hein, pour pouvoir aller plus loin dans le jeu. T'as encore une bête dorée chelou là. Ah donc il y a sa sœur qui est là. Bon, je pose ça à sa sœur. Mais... Bon, ils disent la même chose. Hein. Mince, j'en ai plus, il est comme ça. Ça marche pas. Je voulais retourner comme ça, mais. On va retourner comme ça alors. Feinte! Ah! On peut invoquer une infinité d'oiseaux comme ça. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Alors, en fait, ce qui est con, c'est qu'une fois qu'on a fait l'oiseau, on peut encore bouger, du coup, on peut faire n'importe quoi. Ok, ben bah on va aller là. On va tuer ça. J'espère qu'il est censé vous rendre. Voilà pourquoi le boomerang c'est le meilleur ennemi du jeu. La meilleure arme du jeu, pardon. Maintenant, il y a quoi? Un petit quart de cœur. Hein. Voilà. Ok, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Donc, Vallée des Rois, on a fait ça. Je crois que là, on est allé partout hein, déjà. Alors, je touche pas ces rubis parce que c'est des lac-lacs. Enfin, ça s'appelle des rubis-lacs exactement. Parce que les lac-lacs, ils sont. Ils ont pas de tête de rubis. Hein. Je crois que j'ai tout pris ici. Hein. Ah parce que là en bas... Attends, je vérifie quand même. En bas ça doit être ça. Donc j'ai la flemme de taper. Ouais c'est ça. Ouais ouais, il n'y a qu'une seule sortie. En fait ça a l'air compliqué ici mais c'est tout pareil. Ah mais je suis pas allé là. Merde alors. Comment ça se fait? J'ai donc dû louper un truc. Alors attendez. Il y a une autre sortie. Ça m'étonne, ça me dit rien. Ok, on vient d'en bas. On peut aller que en haut à droite. Oula. Non, mais là ça mène pas. Attendez.
Ouais, on va retourner au même endroit là si on fait ça. Bah ouais. Bah merde, comment on y va? J'ai dû louper un truc. Non, parce que là ça va pas aller au coffre non plus. Merde, je vois pas. Ah bah comme ça c'est réglé. Est-ce qu'il y a un... Si je vois que ça, il est dans un endroit où il y a un truc à péter. Parce que là on est là. Ah mais non, c'est là. Ça doit être en passant par là. Sauf qu'on peut pas encore parce qu'il faut faire un assemblage de fragments. Ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Je sais pas si je vais faire la vidéo des nuages ou une petite vidéo entre deux. Où je vais aller chercher les autres trucs. Non, je sais ce que je vais faire. On va faire la quête de Tingle. Suivi de du reste du jeu, c'est-à-dire le truc dans les nuages pour aller au don. Ouais, on va faire ça. Je vais peut-être commencer par le truc des nuages. Ouais, on va faire ça. On va commencer par le truc des nuages, c'est-à-dire la suite du jeu. Et si c'est trop court, enfin si on a le temps, on fera le truc de Tingle. Ouais, on va faire ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.